toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour les énergies, le message, eh bien, de ce bel oracle hein, des énergies. Nous sommes le mercredi 22 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin. C'est en fait le matin. Ce que je vous lis, c'est 365 pensées positives pour être heureux tous les jours ou heureuse. Et aujourd'hui, c'est résultat. Tôt ou tard, on est ce que l'on fait. Eh bien, tôt ou tard, on est ce que l'on fait. Ça reviendrait à dire que on sème, on récolte. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé attachement, besoin présumé et choix de lâcher prise. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui vibre pour vous dans cette carte. Et je l'ai pigé à l'endroit. Eh bien, cette carte, elle révèle pour certains d'entre vous, hein, parce que ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres, eh bien, elle révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides et d'anciens schémas ou à des personnes du passé. Est-ce que vous êtes enchaîné encore par le passé, par des personnes, par un vécu ? La chaîne à votre poignet est ancrée. Et on le voit, ben je pense qu'on le voit hein, sur la carte. Voilà, oui, on voit hein, cette chaîne qui est ancrée à votre poignet. Et il y a une peur qui est là et qui provient du passé ou même un désespoir par rapport au futur, parce que vous avez un manque de confiance en vous, donc le futur vous fait peur. Le lâcher prise, bien, vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez peur de faire ce lâcher prise, parce que vous êtes dans le néant, dans l'inconnu, en faisant ce lâcher prise. Et par contre, vous avez peur parce que vous ne savez pas le futur, vous ne savez pas ce qui va en devenir. Même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer parce que vous jouez un rôle. Vous n'êtes pas bien, intérieurement vous n'êtes pas bien. Alors encore une fois, que ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être familial, ça peut être amicalement, ça peut être dans privé, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose qui ne va pas. L'attachement, vous avez peut-être une addiction à un attachement. Alors lequel, vous le savez, moi je ne le sais pas. Les choses qui vous maintiennent enlisées pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce lâcher prise avec cette ancienne relation, cette dépendance que vous avez physiquement ou alors cette dépendance émotionnelle. Vous êtes toujours dans l'attente et dans la demande. Est-ce que vous vivez la peur ? Certains d'entre vous, je vous pose une question, est-ce que vous vivez dans la peur ? Est-ce que vous êtes dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Alors ça peut être d'anciennes habitudes malsaines, ça peut être avoir une addiction aux médicaments, une addiction à l'alcool, une addiction à la cigarette, une addiction à la drogue et une addiction à l'émotionnel. Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent parce que vous êtes enchaîné? Donc, vous êtes tellement dans un désespoir de voir l'avenir, on a l'impression que l'avenir vous fait peur.
Parce que, encore une fois, hein, vous ne connaissez pas l'avenir. Et moi, je ne peux pas vous le dire non plus parce que je n'ai pas de boule de cristal. C'est à vous à faire ce travail-là. L'attachement que vous avez, c'est à vous détacher. Il y a un grand travail à faire. Alors si, maintenant, que vous êtes désespéré par rapport à votre avenir, si c'est le cas, eh bien vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes encore. Voyez ce que je veux dire? Cette carte, elle vous dit qu'il est temps, il est grand temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, une vie libre, une vie saine et authentiquement heureuse. Ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas à l'heure actuelle. Vous avez peur de ce qui s'en vient. Vous avez vraiment peur de ce qui s'en vient. Il vous faudra peut-être du courage, n'est-ce pas, pour certains d'entre vous, et un minimum d'effort. Mais sachez que vous êtes capable de le faire. Reprenez confiance en vous. Vous êtes capable. Jusqu'à ce que vous passiez à l'action, eh bien, cette énergie qui est difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Donc, aujourd'hui, il est grand temps de vous libérer des chaînes que vous vous êtes mis peut-être personnellement ou que vous êtes enchaîné par différentes addictions, que ça soit encore une fois amoureux, médicaments, drogue, alcool, voilà, tout ce qui est, tout ce qui ressort l'émotionnel et peut-être aussi au point de vue professionnel, n'est-ce pas, amical et familier. Donc voilà, aujourd'hui, on vous demande de vous détacher de cet attachement. C'est un grand travail que vous devez faire sur vous. Les autres ne peuvent pas le faire, il n'y a que vous. Et encore une fois, je vais le répéter, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes le metteur en scène et l'acteur de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions, vous êtes responsable des décisions que vous prenez et ne pas dire que c'est à cause de l'autre. Parce qu'on ne vous a pas obligé à prendre des décisions, on ne vous a pas obligé à être dans ce mal-être. Voilà, il y a des solutions. Croyez-moi, il y a des solutions, il y a à tout problème, il y a une solution. Et quand il n'y a pas de solution, c'est parce que ce problème vient de notre tête, de notre mental. Voilà, c'est que il n'y a pas de problème, mais tout problème, il y a une solution. Alors je sais, c'est pas facile hein, tout ça. Bien sûr, c'est pas facile. Je le conçois et croyez-moi, je sais ce que c'est parce que je suis passée aussi par là. Alors l'affirmation pour cette journée, je me libère de cet attachement et je choisis la paix. Je suis forte, libre et capable de choisir ce qui me procure du respect, ce qui me procure de l'amour, ce qui me procure du respect. Respectez-vous pour respecter les autres et que on vous respecte. Je termine avec le message de ton âme. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Quelle belle synchronicité, n'est-ce pas, avec l'attachement. Ouvrir les yeux, il est grand temps d'ouvrir les yeux
Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.